C'est à Santa Giusta, en Sardaigne, qu'un jeune Danois de 17 ans, Andreas Fridolin Weiss Benson, entendit pour la première fois le son des Leonidas. Cet événement marqua sa vie, tant au niveau humain que culturel. Il se dédia à l'étude de l'île jusqu'à sa mort. Il n'avait que 35 ans. Pendant plusieurs années, grâce à de longs séjours dans le sud de la Sardaigne, il recueillit de très nombreuses données sur les techniques de construction des Leonidas, leur répertoire, leurs fonctions sociales. Les résultats de ses recherches furent publiés en 1969 dans une étude d'une valeur scientifique encore inégalée. Les enregistrements sonores, les carnets de notes, les photographies et les prises de vue constituent un précieux héritage de son travail de recherche. Sa recherche ethnomusicale avait une approche anthropologique et en anthropologiste, il observa par la suite les aspects les plus archaïques de la Sardaigne intérieure. Il dédia les dernières années de sa vie à l'étude de la communauté pastorale de Nulè, une recherche qui resta malheureusement inachevée. Ce film a été réalisé avec le matériel visuel et sonore enregistré par Andreas Benson au cours de ses recherches sur les Leonidas. Il constitue un hommage affectueux et reconnaissant à cet illustre chercheur, grand ami de la Sardaigne.
Thank you.
Benedicta, 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 bened